Hey, hoyo minasan, c'est Gunshow, et aujourd'hui, on va continuer pour l'aventure. Et ouais, comme je dis, je ne m'arrête pas, j'ai envie de jouer. Donc voilà. Donc là, hop, on repasse par là. Voilà, hop, on se casse bien la gueule par terre. Donc voilà, ça, tac, tac. Donc voilà, j'ai tout pris ce qu'il me fallait en fait, je pense. Ah, peut-être qu'il y a un truc là. Je sais pas, il y a un truc. En gros, ça dit. En route, ça. Je vais quand même vérifier un truc, quand même. Parce que ça me dit qu'il y a quelque chose, mais. Je vois pas par où il faut que je passe. Par là. Je sais pas, il doit bien avoir un truc quelque part. Parce que là, il montre un truc que. J'ai pas encore capturé. C'est que si je passe par là. Donc là c'est pour le robot, ça je me souviens. Ah, pourquoi ça me dit qu'il y a quelque chose là-haut? Ça m'intrigue. Comment je peux accéder là-haut, quoi? Sérieux? Oh non! Ah, mais quel con! Ouais, je suis tombé dans le trou. Je suis tombé. Heureusement que j'ai eu un point de sauvegarde de dernier épisode là. Au moment où j'ai récupéré la poupée là. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est juste pile poil au machin là. Ah! Non, c'est bon, j'ai trouvé. Trouvé, c'est bon. Donne-moi ça. Voilà. J'ai trouvé. Ça, c'est bizarre le machin là. Bon, on y va là. On y va là, c'est pour de vrai. On va défoncer du monstre là, je pense. Bonjour les monstres. Vous voyez pas? Et moi je les vois. C'est trop efficace cette machine. C'est jouissif. Le complexe de recherche avancée de l'UAC est notre destination finale. Ben allons-y. Ah, tu es 5 ennemis à tronçonneuse, putain, j'aurais pu faire ça. Ok, dans le terrain, tac tac, onyx. Ok.
C'est parti, allons-y. Les lendemains qui, chantent. Ouais. Nous approchons du complexe de recherche avancée de l'UAC. Il est temps que nous nous rencontrions. Mon bureau se trouve à l'étage de ce bâtiment. Ok. Apparemment, ce bâtiment était aussi attaqué par les démons. Il n'a pas été épargné lui aussi. Ce vaste centre de recherche, de conception et de production utilise des technologies et techniques de fabrication de pointe pour réaliser des prototypes allant de la robotique à l'armement, en passant par les systèmes de communication pour le sous-espace. C'est mort, c'est des chiottes. Y'a rien. Ok. Ouais, on va murer quoi. Je pense que je vais murer les munitions. Le mec va mettre son poing dans les munitions, ok. Voilà. J'en fais le bonheur. Il faut quoi? Ah, la zone en cours. Ok. Ils sont tous morts. Inconditionnellement endoctrinés, ils ont assimilé notre foi, un monde d'énergie ressuscité dans le flamme. Leur travail assidu, leur oh, tu sors toi. Nous n'avons pas suffisamment de postulants et notre foi n'est rien sans fidèles. On ne peut pas mener nos travaux sans eux. Sur quoi travaillez-vous, Olivia?
Je n'ai pas vu de rapport de votre équipe depuis des mois. Puis-je avoir confiance dans le fait que vous parveniez à maintenir vos distances et à contrôler la situation? Bien sûr. Je crois en notre travail. Mais pour faire des progrès, nous devons être prêts à faire encore plus de sacrifices. Ce n'est pas du progrès, c'est de la folie. Le Conseil comprend la nature particulière de vos travaux et n'ignore pas l'importance de ces sacrifices pour l'humanité. Mais votre jugement ne nous paraît plus aussi sain. Elle est pas saine, on va dire, cette femme. Est-ce que ça a ouvert là-bas ou pas? Non, tu peux fermer. Ah, peut-être que... Y'a pas un bouton à presser, non? De me soigner, ouais. Oh! Je pensais que j'avais 200, non, que j'avais que 150. J'aurais pas dû. De machin.
crever là. Y'a qu'un truc pour me soigner là. Un chaud. Chaud, hein. Je crois que c'est là par là. Ce n'est qu'une mise à jour du système. Un prototype de notre porte interdimensionnelle qui me permettra de vous ramener des enfers. Pardonnez le choc, mais je pense que vous n'auriez pas accepté autrement. C'est quoi, c'est... Docteur Samuel Hayden, j'ai tout ce qu'il faut dans mon bureau. Par ici, je vous prie. Mais c'est une machine? La destruction de la tour argent est catastrophique, mais je m'engage à vous aider à fermer le portail. C'est censé être quoi? Ce que nous savons de leur monde et ce sur quoi nous travaillons provient des inscriptions découvertes sur un artefact de pierre arraché aux enfers au tout début du programme. Nous l'avons baptisé l'Hélice de pierre. C'est notre bien le plus précieux à ce jour. Une véritable obsession pour Olivia. Nous avons ainsi appris à manipuler l'énergie infernale pour la plier à notre volonté et tirer avantage de leurs ressources. Elle nous a aussi conduits à vous. L'Hélice de pierre nous a montré comment maîtriser la puissance du puits. Elle devrait vous montrer comment le faire. Pendant des années, Olivia a gardé l'hélice de pierre dans son bureau du laboratoire Lazarus, accessible uniquement par un ascenseur sécurisé, depuis le complexe scientifique de recherches avancées de l'autre côté du schisme. Vous semblez aimer les armes à feu. Vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut ici. Nice. L'ascenseur de service se trouve au bout du couloir. Ok. On va récupérer des joujoux. Voilà. On sait jamais trop, hein.
En fait, à G, ouais, j'ai point, j'ai 9 points de machin là. Je crois que ça, je l'ai mis à améliorer, donc c'est bon. Ça. Truc d'armure là. Un truc de machin là, moi. Quand je veux accéder le machin là. Y'a pas un trou dans la dans le toit, enfin dans le machin là. Non, je peux pas accéder pour l'instant, je crois. Ok. D'abord activer le machin là, le faire défoncer ce machin là. Hop. Voilà, on va défoncer ce machin. On va prendre ça. Ok, je cours plus vite. Allez. Ça, c'est fait.
Peut-être d'abord aller récupérer ça, non? Oui. Alors c'est quoi? Bouger le plus vite pendant que quelques secondes qui suivent une glory. On va voir hein. On va essayer. Je pense que je fais ça et ce sera la fin de cet épisode. Je suis pas sûr mais je verrai bien. Allez. C'est affreux ça. En fait c'était simple. C'était simple en fait. Chargement et chargement, chargement. Alors j'ai 10 points, il faudrait peut-être que j'utilise. Ça c'était ensemble, je dis beaucoup. Et tu as au moins 3 démons utilisant rayon de module plasma 10 fois. Ah. Donc là il reste 4 points. Alors dessus j'ai pas. C'est quoi? Ok. Je sais même pas qu'il y avait ça. Quand même, j'aimerais bien arriver au point de ce garde là, voilà. Ouais, au bout.
qu'il y a un truc là-haut. Oh. Il se ferme, il s'ouvre. Voilà. Point de passage, attends. Ok, bon, ben on se dit à plus tard ici. On se dit à plus tard ici pour un autre épisode de Doom. Allez, c'était Gunshow. Bye bye.